Mesdames, Messieurs, bienvenue à votre nouveau show, Chilling with Regina. Flavorful, captivating, entertaining. Chilling with Regina. Entertainment news, the top 10, real talk, social issues. Chilling with Regina. Bienvenue à Chilling with Regina. Mwen se yon chef, mwen vini la pou nou fè manje ansanm, an pil manje, surtout manje ayisyen, manje la kay, kek ou swa nasyonalite ou, nou pral fè manje. So guys, depi nou tan de chou sa, rentre la kay nou, get ready to chill with Gina and Regine. Ciao, ciao. Mesdames, Messieurs, bonjour, bonsoir. Bienvenue à la quatrième sortie de la série Chilling with Regina. Sit back, relax, get ready to enjoy the show. À tout de suite. Comment nous y est, non pas M. Béjim, vient présenter nos playlists Chilling with Regina pour semaine ça. Non, moi, mais, qui pral fini là, l'homme fait recherche sur musique qui a brûlé sur réseau en fonction du nombre de views, mais qui résulte en jeune. Alors, faut que je précise, c'est pas une liste officielle, et si tu connais l'autre musique qui a plus de views sur réseau que musique ça a nous pral cité, pas hésiter à écrire, m'a pas ajouté la prochaine édition. Faut que je signale tout pour mon cap Chill with Regina. Yo. Que nombre de views que me compte yo, c'est view qui n'a pas officiel à Tissa yo. Alors on parti. Outiel Guillaume fait rentrer dans cousse là avec pas là encore et faut préciser que musique ça c'est pas même vidéo officielle à Tissa là. Il sorti le 20 mai, il a totalisé 201 000 views, 13 000 moun réagi à qui au like et 140 moun désapprouvé. Atis Panche, toujours dans la course là avec Saoji, avec Remé Avem, yo publié le 23 avril, as of today, yo totalisé 690 643 views, 21 000 likes, 371 dislikes. Trouble Boy, publié Géo Pas Bon, en duo avec Medji Impossible le 30 avril, yo totalisé 773 932 views, 19 000 likes et 488 dislikes. Darlene Deska, publié DSK le 15 avril. Jusqu'à date, il a accumulé 927 638 views, 27 000 moun remel, 763 par remel. Juanito, publié Qui Sam de Fer Qui Mal le 11 mai qui s'est passé là. Jusqu'à date, il totalisait 1 757 171 views, 65 000 likes et 1610 dislikes. Tout pas tourner, wap tourner, pirate. Ou pas un choix frère. Wendy, qui sorti lento le 3 mai, sous page officielle, il totalisé 2 400 000 views et puis 79 000 moun approuvé, 1810 likes. En tête de liste, Cadillac, toujours Kembe Ploton avec Beijing, il était sorti Ingrat le 3 mai, il totalisé 3 200 000 views. 72 000 likes et 2710 likes. Pas oublier, Lisa, c'est pas une liste officielle. Sous ta connaît n'importe l'autre musique qui fait plus view que musique ça qui sorti dans moi ça. Pas hésiter à écrire nous, on va ajouter dans la prochaine édition. Non pas M. BJ, c'est un plaisir pour me présenter au playlist Chilling with Regina pour semaine ça. Jodiane Chilling with Regina. Nous gagnons pour comme invité Georges Bossou et comme artiste invité, nous gagnons Richie Duclas. Entre temps, nous prenons beaucoup de chefs dans la cuisine pour nous voir qui ça l'a préparé pour le Jodiane.
Hi guys, chef in the house. Jeudi, nous présentons un plat qui est élégant. Nous parlons d'Italie. Nous allons faire un plat qui est élégant et qui est délicieux. Nous allons faire fettuccine à l'huile. Pour nous faire ça, on a besoin du vin. Songez que du vin à utiliser pour faire manger un son vin de qualité que l'on peut faire tout. Deuxième chose, on a besoin de fettuccine qui est une pasta qui est un petit genre plat. On va faire un spaghetti avec un petit genre plat. On a besoin d'épices, échalotes. Échalotes là, c'est une variété de oignons grillés, nos tiges rosées et allongées. Pour les gens qui parlent de échalotes, on a besoin de fromage parmesan, persil haché, beurre. Piment, les facultatifs, c'est moi qui mettais parce que nous avons besoin pour nous faire garnishing, pour nous faire de la belle. On a besoin d'all-purpose seasoning, n'importe seasoning de qualité, tant que Kobe, Creole seasoning, que l'on fait partout, que l'on met des épices haïtiennes que l'on fait à tout, ça va dépendre de nous et de gens nous aimer manger. On a besoin d'ail, ça nous light, haché. On a besoin de petit paprika, et puis cayenne pepper. Of course, toujours rendez-vous pour sel et poivre. Si nous avons besoin de plus de fromage, il y a des gens qui parlent de fromage. En fait, nous devons mettre des fromages additionnels, nous devons mettre des plats, nous devons mettre des carrés, nous avons déjà râpé ça déjà, donc nous devons mettre des fromages à faire. Nous devons mettre à côté pour nous râper après. Pour nous commencer, premier ça nous devons faire, nous devons assaisonner l'écovis. Mais nous connaissons que l'écovis est un peu de l'eau, il y aura un peu de l'eau. Pour nous faire ça, nous devons retirer l'écovis, nous devons mettre pour petit jeune pepper towel là pour rendre moins l'eau pour nous retirer un peu liquide là-dedans. On va mettre les, on va mettre dans le bol là. Songez que moi mettre écovis ça dans glace pour conserver parce que si écovis ça arrive à l'air comme ça à température de la salle, il ca gâté. Donc il ca venir dans nous football illness comme si que il ca dans nous digestion ou bien il y a des gens qui sont très sensibles. Donc, c'est ça que je fais très attention. Le nap servi avec protéines du viande, du poisson, des crevis pour le mettre dans le manger. On va continuer à sécher pour retirer l'eau là-dedans. Comme ça, le nap va le sauter et pas le fait en pile de l'eau. Non, peine. Là, nous parlons de la saison des cheveux blancs. Il n'est pas compliqué parce que nous ne pouvons pas péter là dans si nous avons choisi pour une all-purpose seasoning. Il y a un assaisonnement qui gagne plusieurs épices là-dedans. Nous mettons dans l'écovis. Mettez ça de côté. Songez que je dit qu'on a mis au cœur pour seasoning. Il y a un cuillot seasoning là-dedans. Mettez un pincé cayenne pepper parce que nous connaissons bien deux, parce que ça va dépendre de gens nous aimer viennent nous épicer parce que cayenne pepper est un petit genre piqué. On va ajouter une demi cuillerée de paprika. Nous allons ajouter plus tôt parce que les pains on veut qu'est-ce qu'il y a trop pour frire là-dedans. Il n'a pas ajouté un petit light, un petit là-dedans, on crée rien, une demi-cuillère et tout. On va mélanger les, puis on va quitter, masser bien pour le cas. Prends le goût. Nous finissons assaisonner les crevisses, on va mettre de côté. Nous n'avons pas besoin de mettre la glace encore parce que le gain est assez zone malade. Et puis, nous avons besoin de petit pincé sel d'eau. Là-dedans, parce que nous avons mis un peu de saisonner qui est en bas de sel déjà. Et puis, un pincé poivre.
On met le de côté. On y a là, nous pouvons mettre fettuccine en bouillie. Moi, je vais mettre de l'eau à bouillie déjà. On va monter froid sur l'ail. Songez que l'on a fait pasta, il faut nous tout assaisonner pasta dans l'eau parce qu'il faut mettre sel. De façon pour pasta, qu'a bien pour un sel là. Parce que si vous n'avez pas de sel pendant la bouillie, nous mettez quantité de sel que nous voulons dans la sauce là. Il n'y a pas de pasta pour absorber. Donc, il faut nous tout mettre sel là dans la pasta et il n'y a pas de sel. Tant que vous avez dit, nous devons mettre de l'eau déjà pour la bouillie. On va mettre pasta. Je mets à peu près 16 onces. Qui est un peu en boîte? Nous avons une boîte que nous avons achetée dans le supermarché. Je mets à peu près une boîte là-dedans, mais une boîte et demie, dépend de la quantité de manger que nous voulons faire. Mais une boîte et 16 onces là-dedans. Je mets les bouillies. Quand il y a pasta à bouillir, je préfère finir à assaisonner. Nous allons chiller avec les gens, le tourner pour nous continuer à faire manger. Merci parce que nous avons été branchés. Dans ce moment, nous allons rejoindre RJ pour nous connaître tout ce qui a passé dans l'industrie musicale haïtienne. RJ, take it away! Salut Lady G, salut tout le monde. Weekend fait drapeau à tout l'humain. En bleu et rouge, bien sûr. Activité par-ci par-là, en Haïti ou à l'étranger particulièrement. Nan Florida, côté qui gen pi gwo concentration haïtien nan diaspora. Te gen défilé patriotique nan toute la rue, musique passi par là, club yo te plein couze, et puis événement tout monde tap tann lan, c'était lancement championnat Manangogos nan FIU Miami. Nan ouverti championnat, Del Rey bat Spartan 2-0. Nou te jwenn Classe, Tony Mix, Gabel et puis Vibe qui tap mette ambiance après match là. Mais nous connaissons VIP qui toujours bay plaisir nan Manangogos, c'est Rara Lakay. Rara Lakay t'a fait moun danser depuis porte stade là l'ouvrir pour jusqu'à ce que li ferme. Torchon suspend boulet qu'il y a ces tensions qui monté entre Maestro Tilamo et Pedro Fos. N'a fonti rappel de ça qui passé entre deux monsieur ça. Pedro Fos décidé quitter groupe Click parce que selon lui-même, li écrit une musique tout neuf pour groupe là qui relait assez, li chanter à Kanye Alette comme artiste invité. Musique là sorti et puis discussion pété entre qui est-ce qui gagne droit sur musique là. Artiste l'an dit c'est musique li, Maestro a dit c'est musique groupe là. Parle en pile dans radio toute journée, monsieur passe toute semaine nan youn ap joure l'autre sur Facebook. Jakout number one sorti un nouveau musique à toute vidéo qui relè c'est moins lié. Musique sa mette en vedette, nouveau chanteur jazz qui relè Jean-Yves. Nous songez quelques mois de ça. Jakout number one te bay fanatique li yo goûté yon ti losye nan musique lan et ça te créé yon gros tension entre Polo ak jazz la. D'après Polo, musique lan c'est musique li. Li saisi wè jazz la gen la main nouveau chanteur sans yo pa parler avèl. Puisque artiste la entend li ak jazz la kounya, musique lan sorti, fanatique jazz peyi a yo pral fè jolè pou jazz yo. Ninja! L'autre nouvelle. Choupi Claire Saint-Ville intégré groupe Harmonic. Gonkis n'a passé 11 l'année à assumer compa agazement couleur dans disciple que le fin quitter 25 avril qui s'est passé là après yon mine sur li même agazement yo boukanté fanatique Chupio Gonkis l'a tonn nous dans harmonique pour nous finir n'a faut songer que Richel t'est sous podium dans Philadelphia pendant artiste l'a chanté puis elle chapé li prend un saut deux pieds en l'air malgré ça artiste la kembe microphone li bien dur li continuer chanter comme si rien pas arrivé. C'est dans la même atmosphère ça, Rurut, tant que fanatique li Orelel, sorti une nouvelle musique qui relè M'Pala encore. Musique l'en parlait de deux monde qui te remè et puis qui séparé. Nèg la vle retourner et puis fian di li même, li Pala encore parce que le crié trop dans relation, sauté pompé, li Pala net. Nous connaît déjà, musique l'en disponible même côté nous qu'on habitué consommer musique artiste nous pire remè. Les mots t'es nommé, on l'en bat jamais, ouais.
tout ça n'est pas pour semaine ça. Entre temps, on va continuer à marquer par Timonio en attendant manger à but. À la semaine prochaine. Messieurs, bienvenue à votre nouveau show, Chilling with Regina. Flavorful, captivating, entertaining. Chilling with Regina. Entertainment news, the top 10, real talk, social issues. Chilling with Regina. Bienvenue à Chilling with Regina. Mwen se yon chef, mwen vini la pou nou fè manje ansanm, an pil manje, surtout manje ayisyen, manje la kay, kèkò swa nasyonalite yo, nou pral fè manje. So guys, depi nou tan de chou sa rentre la kay nou, get ready to chill with Gina and Regine. Ciao, ciao! Salut à tous, Jean Lady Anonceli, invité nous dans Social Talk, c'est Georges Bossou. En fait, Georges Bossou, son détenteur d'un maîtrise en psychologie que lui recevoir dans Barry University. Et Georges Bossou complété un training dans Institute for Child and Family Mental Health. Actuellement, Georges Bossou a complété un doctorat dans Public Health, santé publique, avec une concentration sur épidémiologie dans Walden University. Mais Georges portait un pile chapeau. Alors, femme, dis-nous que son jeune homme que moi rencontré dans le séminaire Adventiste, Institut Adventiste franco-haïtien, époque nous était l'école là. À l'époque. L'homme vient rencontrer avec monsieur dans Miami quelques années plus tard. Je m'imaginais que Georges n'a pas le porter tout chapeau ça. Moi rencontré Georges pendant que monsieur candidat pour député dans l'état de la Floride. Nous allons faire une petite mention de ça. Alors, Georges Nabzou, bonsoir, bonjour, bienvenue dans Chilling with Regina. C'est avec plaisir que nous avons accueilli sous plateau aujourd'hui. Bonsoir, bonjour, en Belgique. C'est un plaisir pour moi avec vous aujourd'hui sous plateau ça. Et je souhaite que nous allons passer un bon moment ensemble. Très certainement. Qui ça m'a dit là? Dans tout chapeau au poteau, qui ça m'a dit? Bon, tant pour te bien dit, moi engagé dans la question psychologique. Et c'est ça qui fait qu'en 2009, notre travail que nous avons fait dans la communauté, nous avons créé une organisation, fondé une organisation qui est le Word in Action, que tout le monde dans la communauté est censé connaître, que nous travaillons dans la question de prévention, abus sexuels de la communauté. Et après le 12 janvier, nous avons pile de monde qui a violé en Haïti en battant. Nous avons décidé de créer un chapitre en Haïti pour que nous militions en Haïti aussi. Et ça fait que nous avons toujours été engagés en Haïti et nous avons principal nous depuis quelques années. C'est pour que nous avons créé un centre psychothérapeutique pour tout le monde qui a abusé sexuellement et tout, pour tout le monde qui a exploité sexuellement et tout, quelque chose qui va gagner dans la communauté. Et l'autre chapeau, bon, c'est que dans le camp parlant, nous avons toujours promis que nous avons créé une plateforme sociopolitique pour nous voir dans quelle mesure que nous avons aidé la communauté à plus, parce que le but, ce n'est pas seulement élu, mais nous avons continué à engager nous pour nous organiser nous, c'est ça que fait que, et avec des compatriotes, avec d'autres Haïtiens, dans la communauté, nous mettons sous pied une organisation qui est le Haitian American Leadership Initiative que officiellement nous pouvons lancer, mais qui est déjà en process parce que nous avons plusieurs réunions et nous avons primeur là pour apprendre de l'organisation ça qui va rapidement bientôt et militer et engager dans la communauté. Ok, nous allons parler un petit peu de sexual abuse, nous allons parler un petit peu de mental health. Mais en tout annoncer Mounio que ou sont invités d'honneur cap gagné bon en terme américain ou sont contributeur to the show. Donc de temps en temps we're gonna pick your brain, de temps en temps on a invité ou pour venir essayer analyser quelques situations, quelques problèmes que communauté a confronté surtout sur le plan sociopolitique ou socioculturel. Donc avant nous arriver là, nous connaît que ou t'as l'élection récemment. Bagay yo, en fait, ou pas arrivé joindre pour ça, ou pas arrivé briguer mandat.
Ou t'es posé candidature pour député dans le district 108 dans l'état de la Floride. Parlez-nous de l'expérience. Bon, c'est une expérience extraordinaire parce que les gens qui connaissent que je ne fais pas de politique active, bien que je suis toujours intéressé à la question politique et en Haïti et dans la communauté, parce que à New York, je travaille avec un newspaper qui est The Earth Times, j'ai eu la chance de travailler dans le headquarter Nations Unies. Moi, j'ai rencontré un pile politicien qui forme vision de politique nationale et internationale. J'ai toujours gagné un engagement social depuis une petite, et même là, en Haïti. Cela veut dire que il y a pour quelques monde qui n'a pas saisi que j'ai entré dans ça, mais il y a quelques monde qui connaît que agent que c'est un petit compliqué, je ne pas l'entrer. Mais c'est une bonne expérience. Moi, j'ai eu la possibilité de rencontrer plusieurs Haïtiens. Haïtien que conscient qui remet communauté à tout, moi apprendre en pile par rapport à gens politiques fait dans communauté, moi comprendre besoin de tout, moi ouais force yo, moi ouais faiblesse yo tout. Et on a plus faiblesse, plus gros faiblesse que nous gagne, c'est question de l'organisation, quoi dès que nous mettons tête ensemble, quoi dès que nous besoin craser fragmentation qui gagne parce que nous sommes communauté qui fragmentée, bien que nous gagne en pile monde qui engagé, mais bon unité, bon union que nous pas tellement senti. Et moi, j'ai expérience à tout. Mais par contre, en gros, c'était une bonne expérience. Moi, apprendre en pile, moi, grandir en pile. Et je pensais que la connaissance a pu m'acquérir dans la campagne, je me suis mis au service de la communauté pendant que je continue à engager. En fait, qui ça, d'après vous-même, qui t'a manqué ou qui fait que vous pas arrivé à jouer une poste là? Brièvement. Bon, premièrement, je suis en face. Bon, incumbent qui était là déjà sous place, ok, à qui a beaucoup plus infrastructure que moi, beaucoup plus support que moi, parce que les temps figure que on est déjà. Moi-même, puisque je suis engagé d'une manière frontale dans la question politique, dans plein de monde qui connaît la question abus sexuel, tout engagement que gagne, la question psychologique, mais pas qu'on aime sur l'aspect politique, c'est-à-dire qu'on va venir découvrir, on est à l'heure Covid dans une palette qui va casser le feu parce que là, nous n'avons pas de possibilité pour mettre tête nous dehors, pour rencontrer plus de monde que possible. Nous obligés de faire un pile bagaille virtuellement et possibilité pour nous faire lever de fonds de diminuer. Et pendant que le monde qui était en face de nous, lui-même, le fait que qu'il était en sur place, il était beaucoup plus facile pour lui, pour lever plus de fonds que nous. Et on connaît politique parfaite sans l'argent, même si on a une bonne intention et une bonne vision, mais quand même, il faut une possibilité pour que ou cap véhiculer vision ça, ce qui te manque nous dans sens ça. Et mais à part de ça, si vous regardez bien, nous faisons une campagne extraordinaire parce que nous faisons une campagne censée à zone nous opposant nous à gagner près de 200 000 $. Imaginez que nous gagnons moins que 20 000 $. C'est-à-dire que c'est malgré tout nous t'es fait une campagne, nous t'es fait une campagne, message n'a passé, nous censés rencontrer un pile monde, nous jouons un pile support monde qui bat nous service gratuit. Moi, j'ai un staff de près de 12 personnes qui travaillent avec moi. Que je vais payer un an, c'était des gens qui étaient couverts dans mon vision, parce que je comprends que ce n'est pas un poste que nous avons juste besoin de briller, nous avons besoin d'écraser un cible vicieux qui de pauvreté, de division, etc., de développement qui était gagné, même de développement par les deux d'une manière négative, qui était gagné dans la communauté. Et je t'ai embrassé l'idée. Et nous avons joué tout le support. Ça. Et ça, c'est vraiment en pile courage, c'est vraiment en pile support. Moi, je veux que gagner haïtien qui t'a rien mis à bagaille fait pour l'autre gens. Et ça fait que nous avons décidé, mais non, quand pas haïtien, nous voulons que nous ayons un signal que nous n'avons pas obligé de mettre dans Chile Pit. Le monde qui est en face, moi, c'est un haïtien, c'est un américain, tout. Mais haïtien, non, c'est lui-même qui est plus forte, parce que si il est en sous-pouvoir déjà. Et nous t'ai fait comprendre, nous t'ai fait tout le monde comprendre, de montrer que on opposant politique par un ennemi politique. Parce que, en fin de compte, son haïtienne que lié, faut que nous jouions un lien pour le travail. Il n'est pas obligé son monde qui va le craser parce que il est en face moins. Mais au contraire, plus nous avons haïtiens qui ont brigué en série de postes, c'est plus nous avons choqué, nous avons montré le monde, mais l'autre valeur que nous avons, c'est pas seul monde que nous avons, nous avons plusieurs comme ça. Et là que nous avons confronté tête, nous confronté esprit, nous confronté idée, nous, là ça, monde qui gagne vraiment, c'est pas nous-mêmes, mais c'est communauté en général. Et nous avons besoin de un signal, tout BG, pas tout le monde qui t'a aimé entrer dans la politique.
parce que nous avons une majorité silencieuse, monde qui dit que moi pas une question politique, alors politique définit tout ça que a fait. Bien jeune tant combien monde qui plus grand bien qui plus jeune passe, qui t'a aimé engagé mais qui peur. Nous devons voir un signal que nous pas seulement besoin parler chita nan salon laquelle moi complain a dit ça va marcher, ça va marcher, on met mais on font un genre et me faire dit ça que pas demander aucune permission, moi avancer, moi mettre tête moi dehors et moi faire une défend belle campagne. Expérience ça fait vraiment bien et m'encourager l'autre monde qui t'en coum, qui t'a aimé bon bagage changer pour engager tout. C'est pas un seul monde qui vient, c'est pas seul jeune dame, mais il y a plusieurs autres Georges, même Jean Kounda, mais il y a plusieurs autres monde, l'autre haïtien qui attend la si peut-être on prochainement dans le futur gain haïtien qui a dans congrès américain. Est-ce qu'on a un gros avenir pour haïtien en politique, surtout dans sud Floride là, côté qui gain plus gros concentration haïtienne en diaspora? Est-ce qu'on a vraiment un avenir dans politique là pour majorité haïtienne? Bon, moi pense que nous gagnons un avantage. Avantage que nous gagnons, nous gagnons avantage de nombre. Parce que, et après Cuba, il y a une question de nombre. Moi, je crois que c'est nous-mêmes qui deuxième surtout dans le sud de Floride. Là. Cela veut dire que lorsqu'on prend Floride, comme Jean-Yves dit, c'est 1% state, c'est-à-dire que c'est 1% de électorat qui toujours met ton président sous, dans le palais ou bien dans la Maison Blanche. Là. Cela veut dire que si que nous arrivons à organiser, si que nous arrivons à gagner un agenda commun, et c'est ça que nous avons toujours parlé pendant toute campagne, définir un agenda pour la communauté, assurer que nous avons identifié le problème, assurer que même si que nous avons une divergence de vue, mais nous avons travaillé ensemble. Moi, je pense que le jour que nous faisons que l'autre groupe, l'autre ethnique, soit cubain, soit jamaïcain, dis-moi, pas qu'on est. Si que nous arrivons, mais tête nous ensemble pour nous comprendre que nous avons nécessité pour que nous travaillons ensemble, nous avons force, oui, avenir est possible. Mais si que nous étions dans la division, Ying Hang, un petit groupe ça, ça ne parle mal l'autre, depuis qu'on a un petit corps, tout le bagage divisé, ça va tout le corps aller avec lui, et bien fin tout, si que on l'autre haïtien va venir, si qu'on va payer l'autre, on ne peut pas faire rien pour vous, comme si nous avons une communauté à cette nous avons un business, là, je pense que nous avons le même problème Haïti, même ça que le peuple haïtien en Haïti a demandé, dans l'expérience que je fais, dans le pot que je frappe, dans le monde que je parle avec eux, nous avons le même problème, nous avons le même bagage, la justice sociale, nous avons le plus local à l'hôpital, nous avons le plus local à l'école, les haïtiens plus local à l'école, les gens qui ont frappé pour la caillou, nous avons demandé est-ce que monde ça, c'est les États-Unis qui vivent, ou du moins c'est Haïti qui vit. Parce que l'abdou Haïti a parlé d'un parti qui pauvre. Ça montre que bon besoin criant dans la communauté, mais le monde ça y est pour être intouchable, autant de parler de seulement pendant l'élection, mais après l'élection, pas de monde qui parle de eux. Et c'est ça que nous devons écraser, c'est ça tout que nous avons goûté pour que nous craser. Et je pense que si nous arrivons, ouais, nécessité ça, pour nous travailler ensemble, pour une vision commune, pour l'heure que nous avons adressé le département d'État. Nous avons adressé le gouvernement fédéral. Là. Nous avons adressé dans une voix, une seule voix. Même entre nous, nous avons une divergence en dans la chambre, en dans la caille. Mais l'homme dans la rue, l'heure que nous devant les médias étrangers, l'heure que nous devant notre communauté, nous mettons front commun parce que nous sommes haïtiens. Alors, à partir de ce moment, nous avons toutes nos forces politiques et nos forces économiques, tout, ici aux États-Unis. Et ça va avoir une influence, une incidence positive pour payer nous, la caille, nous, Haïti. Alors, qui sont-ils qui dit, Mounio? Qui comportement pour ta gagner? Pour que vous incitez un changement de comportement au niveau de leadership, là, au niveau de candidat, oui, qui ça mounioté qu'a fait, qui comportement pour adopter, pour forcer leadership là, pour changer façon de faire bail. Bon, meilleur bagala, c'est assurer que ou informer de monde qu'on va le voter. Il y en a un plus gros problème, c'est que nous votons en clan. En majeure partie, électorat haïtien sont électorat comme qu'a dit que qui cloître, c'est-à-dire que qui non box, c'est-à-dire que il y a un groupe monde par exemple qui gagne électorat ça, par exemple soit un groupe média ou du moins un groupe pasteur ou bien un groupe leader communautaire, etc. C'est-à-dire que en pile fois monde a voté, c'est parce que un tel ou bien une telle dit a voté tel monde, mais c'est pas parce que y a une idée vraiment y connaît pour qui ça il doit voter. Qui sa moun sa gen nan jakout li, ki plan ke l genyen, ki vision, ki diskou ke l genyen.
nous voter comme si nous avons c'est même Jacques qui nous voté à Haïti. Nous voter à vous. Je connais tel, je vote à tel. Il y a des gens, par exemple, qui te remet discours par nous. Il y a des gens, par exemple, qui te remet vision que nous avons. Mais qui dit qu'il relève personnellement, qui dit que je remets, moi remets vision. Mais je connais tel, tel, c'est famille, moi. Ou du moins, c'est Marie, je connais. Ou bien, c'est mon mal, même l'église avec nous. Ou bien, je connais pasteur tel. Je ne peux pas voter. Alors que, il est conscient que le message est positif. Il est conscient que j'ai une capacité pour que me délivrer pour toute la communauté. Mais il prend une décision personnelle sans que le power toute communauté. Et en majeure partie, c'est ça que nous faisons. Meilleur bagage qui t'a fait, faut que nous-mêmes qui dans ma classe majorité silencieuse, nous-mêmes qui dans classe moyenne, nous-mêmes qui dans l'université ou qui l'école, bon travail que nous faisons parce que classe moyenne haïtienne, classe professionnelle haïtienne, pas engagée vraiment dans la question sociopolitique. Le seul moment fonctionner, il y a le travail, il y a des gens qui ont une belle machine, et puis chaque leur élection président, si ils décident, ils ont voté président. Mais quand il s'agit d'engager dans ce qui a passé localement, dans la question communautaire, ils ne sont pas engagés. Si la majorité silencieuse, si les gens qui sont plus éduqués arrivent à engager au plus dans la question sociopolitique, nous allons changer le paradigme. Non seulement, nous allons bailler le temps à reste de nous, parce que nous allons éduquer, nous allons informer, nous allons influencer, soit dans l'église, soit dans l'école, soit dans cette communauté, quel que soit côté de passé, parce que nous avons connaissance, nous avons une capacité, tout le monde qui a suivi nous, jeunes nous qui dans l'université, si vous engagez tout, vous ne pouvez pas entrer comme ça, parce que c'est une communauté qui est très difficile, mais ou même comme jeune qui a une capacité, vous n'avez pas besoin de permission au monde pour engager, pour organiser, pour faire des choses dans la communauté, pour organiser comme étudiant, ou un étudiant, un jeune étudiant finissant quelque part, qui a posé candidature tout. Ma conseil de jeunes, si blancs ou bien hispaniques, qui de dans vingtaine, trentaine, qui candidat, qui arrive élu. Il y a un jeune blanc qui en congrès, qui première fois yo élu, il y a 30 ans, 32 ans, 33 ans, c'est-à-dire que yo engagé, mais nous-mêmes, nous pas engagés. Nous retirons, mais nous, ah, bah, pour dire ces bagages sales, parce que c'est comme ça que nous t'es formé. Nous-mêmes, personnellement, nous obligé de prendre pile de fois à tête, parce que quand ça me délève tout, je dis politique, c'est bagages sales. Ça va être montré là-dedans. Il va le bon, il va le jurer. Mais en réalité, sous faire fort droite, sous faire avec respect, et si que vous croyez dans ça, vous êtes obligé d'engager parce que là, nous gagnons responsabilité. Et si bagaille va marcher mal, c'est silence moi-même avec qui ne veut pas engager pour changer. C'est ça pour nous faire. Et si nous arrivons à faire ça, nous avons réussi, j'en suis sûr. Georges Bossou, tant que nous gagnons pour nous parler aujourd'hui, il est fini. Nous avons annoncé Mounio que de temps en temps, il y a beaucoup. Dans l'émission, hein, pour nous essayer d'analyser quelques situations que nous t'as supposé prêter plus attention à eux. Donc, merci encore une fois, Georges, et à très bientôt. My Boss dans Chilling with Regina, t'a préparé un documentaire sur l'impact COVID-19 là sur le paysage musical haïtien. Nous t'ai rencontré avec plusieurs acteurs dans HMI là. Mais artiste qui t'a ban nou pi bon accueil, c'était Richard Jean-Hérard di Richie. Non seulement monsieur t'est ponctuel, li ouvert porte la caille li ban nou. Malgré nous t'ai préparé pour ne passer par porte derrière à cause de COVID et nous t'ai très bien masqué tout, li fait nous entrer par porte devant. Et là nous fin fait interview à dans backyard superstar là. Li te invité à visiter studio côté la concocté magie k'ap rale tout moun menen vini derrière classe là. Et puis pendant nous dans studio, instinct professionnel moi poussé me poser artiste là deux trois questions. Oui. Maxo, combien de temps passé dans studio ça par jour? Et pas fait en pile temps, genre mon ta ka pensé. Yeah. Parce que moi comme si me balancer. Parce que ouais studio. Depuis mon addicté à studio, que pour 3 mois, je ne vais pas passer là. Ok? So, moi, je vais turn it down. Yeah. Ça va, j'en m'y vont l'heure comme si madame Jean-Hérard vient débarquer là, vient chercher. Ouais?
Il est voile dormi. Oui, mais c'est pas parce que me font pas qu'être tabac ça non. OK. Parce que studio en akay là. C'est pas en akay là, il va rappeler. Yeah, parce que studio en akay là. Et Tiriti, est-ce que il connait venir dans studio, est-ce que l'homme moins un instrument ou pas comme ça? Ah, Rickel. Rickel pas sur ça. Okay. Rickel gon basse en l'air, il fait m'acheter. Chaque jour gâte basse là, basse à galim. Pas deuxième non, par contre Satia il she's into it all. She okay. started with drums, lina, keyboard, lina, guitar, nan bass, kounya nan chante. Ok. Les mêmes li remen deuxième nan, remen bagay, remen première, pas sur ça. Mais est-ce qu'on était toi à un certain moment de la durée en tant que professeur de musique, montrer mon jeu de drum, bagay comme ça? Mon café, lui. M'pap café nan moment que m'a performé, mais le m'décide de camper. Peut-être si pas gon si c'est pas l'autre bagarre m'a fait on ca peut-être 20 ans pour me faire là. Quel type de professeur t'as pris? Sévère ou bien? Et non, c'est musique. Uh-huh. On prend musique me plus penser faire sous vidéo. C'est m'a fait m'a pas faire one on one parce que m'bral que me fait bagarre là 10 fois. Uh-huh. Pendant ce temps me fait une fois ou ca retourner 10 fois. OK. Ça me passer m'a fait en façon puis up to date pour le plus facile. Qui ça inspire parce que vous sortez plusieurs albums solo et mon ouais résultat yo. Bon moment c'est comme si même si musique en fait au jour le jour le moment album n'arrivé ou quoi choisi titre yo par rapport à ça qu'a fait nan vie et puis et dans gazo après ça bon c'est la vie qui inspire parce que c'est bagarre n'a vivio que moi pour écrire moi un monde qui fictif qui pour créer sujet faut qu'a identifier ali c'est pas ou même qui vivent li faut qu'on un monde qui vivent li et c'est là moi le important tout pour m'écrire li si m'ba ouais nécessité en bas ouais notre texte yo gen pile slogan ou utiliser en pile proverbe est-ce qu'on compte est-ce qu'on tenu compte de quantité proverbe qu'on connaît moi remen ça. Bon, mais écrit proverbe sort ba on a entrevue en là. Et le li lan long, c'est ce monde qui dérou point courage. Mba jamais tendé là avant. OK. On va moi-même ça parce que me lever avec grand-mère, c'est parole et ou t'es entouré avec monde qui a parlé comme ça dans tête moi. On va ça. Et même là c'est pas moi-même qui vini avec si on monde dit les river sur moi en façon on ca utiliser. Well, en pile monde connaît, en pile méloman connaît choubou comme on est qui connaît en pile proverbe tout, monsieur, en pile dicton français que monsieur utilisé dans les conversations. En tout même choubou. Non, choubou c'est connu plus. Choubou connu plus bagage. Choubou moi m'pas vraiment dans dicton français. Me connaît quelque rarement pour l'utiliser le tout, faut li populaire assez pour m'utiliser. Donc ou tendez le connaît. On prend aux âmes bien nés. Mbra la ou, parce que vous connaissez. Mais si son bagay qui est rare, tant que, ou bien li pas fit, ça m'a dit, on va juste utiliser pour le fait d'utiliser. Moi, je remarque que vous avez un respect particulier pour les anciens, les aînés. Non seulement dans le langage, vous n'avez pas dressé, vous n'avez pas la veille en public, mais tout dans le choix musique, vous faites par exemple, vous décidez d'interpréter des musiques sur l'album Ritio. Ça qui pousse ou ça qui motive respect ça conscience man. C'est conscience moi parce que moi grandi parce que nèg yo qui traîne donc c'est l'homme tendé yo l'homme wè yo première fois me dit ah me veut faire ça on prend ça si c'est yo et moi conscient tout que yo bay vie yo musique là pas rapporté autant. Vous comprenez, so, je pense que le minimum que je peux c'est respect. Donc, je pense qu'on est capable aujourd'hui, un minimum que je peux on est quitté tracé pour c'est respect. Un minimum. Vous comprenez? Donc, ça, monsieur, apprenons. Ça, monsieur, on sait. Qui leçon, comme si qui est important, vous estimez comprendre, mais monsieur? Musique, yo, gestion, yo, gestion vie. Yo, parce que. Yo même yo montré erreur pour me pas faire pas grand monde qui te dit yo non pas faire route ça yo pas de chance ça comprenez même j'en tout me penser me café erreur pas me qui pour servir un monde qui d'aime parce que comme ça bah là mais conseil de bagage
yo montre man pile musique nèg yo. M'a prendre musique nèg yo par cœur, m konnen musique nèg yo par cœur. Ouais. On est musique yo par cœur, le m'a interprété en musique. Des fois m'konn pas même besoin quoi que ce soit pour m pour me dire mettre telle partie. M konnen yo. On ça. OK, sousou. Est-ce que c'est compas ou bien est-ce que éclectique, est-ce que le varié ou aller chercher l'autre côté? Of course. Moi j'aime différents styles de musique, moi j'ai joué différents styles de musique. Tant qu'on compas ces derniers bagages, moi j'ai joué le m'a pratiqué. On va nous ça. Qui ça au pire jouer dans tout style de musique? Et donc batteur. Moi j'aime rock, moi j'aime et funk parce que hip hop grand pile funk là-dedans. Et moi mais jazz, of course moi mais jazz et puis latin, son mot du latin tout. On voit et compare qu'on gros influence latin, so et ça a aidé moi tout dans style musique moi jouer bah comme ça même dans composition les grands pile pour elle. Ouais, dans composition nous très diversifié tout. Est-ce que quand par contre sauter des fois vous dites si met ça au quoi mon yo après le suivre les. Non, mais on a risque. Il y a une différence entre un single et un album. Donc, je suis careful dans un single parce que c'est one shot. Mais un album, parce qu'il y a plusieurs goûts, il y a tellement de goûts. Je pense que un tel cap amène, mais un tel well amène. Et puis, son risque que moi-même prends, s'il fait impact pour le faire à tout, il pourra un trendset, setting thing. Et puis, le monde pourra le suivre. Li, comme c'est courant, musique c'est courant. Et il y a des gens qui toujours appellent de courant ça. Et on voit, il faut des gens qui lit pour des gens qui fallent. Est-ce que vous comptez dans la tête ou combien de musique vous faites déjà? Non. Et pas pour trouver le nombre juste parce que je n'ai pas gagné un nombre juste. Mais je connais presque une centaine. Si tu as supposé qu'on switch qui fait dans la musique haïtienne non, pour un crossover complet. Qui ça t'a doué? Qui rythme l'état doué? Qui ça t'a doué ajouter là-dedans? On crossover complet, hein? C'est lié en pile. C'est pas seul musique en lié, non? Lié pour avec mon entour, amen peuple entour. Lié pour avec qui sont investis, qui impact ou fait niveau culturel, qui impact ou gagne sous globe blanc, sous reste globe blanc. Et pas sans raison. Américain a dominé, donc la musique américaine a dominé. Non, mais c'est pas parce que l'américain est supposé plus fort, non. On prend si haïtien a gagné ou ressources américaines, tout, compatible ça pour le taille, pour le monde, tout. Ne pas être menti. Après, c'est pas seulement musique, là, c'est. Il prend plus que ça. Ouais. Est-ce que nous avons supposé centraliser plus sur les Antilles, la France, côté qui consomme nous en pile? Nous avons réalisé, nous avons entrevue là. Ah, oui, non, on continue à fonctionner. Et qui sa question est encore? Oui, est-ce que nous devons centraliser plus sur la France, les Antilles, côté consommer nos pile, ou bien est-ce que nous devons continuer à faire effort? Parce que nous remarquons qu'il y a un artiste qui a essayé de faire effort pour essayer d'entrer dans le marché américain. Faut commencer là, Kayo. Musique, pas non, premier problème, nous avons, c'est pas une structure là, Kayo. Et pour y avoir, nous devons faire. Nous avons saisi les gens restent là facile. On prend ce premier bagage. Nous faire route et puis nous venons à la machine. Yo. Mais nous venons à la machine sans route. Nous avons ça résultat, je vous ai dit. Alright, thank you, maestro. Comme vous capable de voir, je ne vais pas planifier l'interview. Mais vous voyez, vous outils, vous avez un métier. De vous avoir accepté de venir dans le micro, il faut que le public soit informé. Qu'on a choisi rester derrière caméra parce que me convaincu que Lady G ak RJ a kembe flamboa tout l'humain. Non pas monsieur BJ depuis le studio de BJ Media Productions dans le sud de la Floride pour Chilling with Regina. Chers téléspectateurs, nous tournons encore pour nous continuer avec Fête Tchini Alfredo Noir.
nous avons remarqué que pasta a été en bouillie, tant qu'il faut mettre moi, il a été en couler, mettez ma pasta pour une poisse sur tes cheveux là. Pour nous faire ça, on a pas mis des venins peinants qui déjà, ça touche déjà. Pour nous, on a pas sauté et qu'on a vu ça. Il y a des gens qui ont mis de l'huile d'olive là-dedans parce que vous connaissez le beurre à vous pouvez pas brûler, vous pouvez mettre de l'huile d'olive là-dedans. Il est facultatif si vous voulez mettre de l'huile d'olive là-dedans, vous pouvez toujours mettre. On va quitter les bien chauds pour nous sauter. Je vais vous sur bien chaud, sauter. Nous n'avons pas vraiment besoin de prendre couleur parce que le paprika a déjà la dernière bah, couleur un petit genre rosé. Nous avons juste mettre tout ensemble jusqu'à ce qu'il cuit. Pré-cuit parce que nous allons mettre dans la sauce, la fin continue de cuire pour ne pas trop cuire dans ma nage. On va quitter les couvis là, non, elle n'en peut pas trop cuire parce que nous allons faire sauce là avant et puis le sauce là qui fait, on va quitter les couvis là la dernière avec pasta. Songez que le lap sauté et que ça faut assurer nous que quand les fines bâilles de couleur rose là, il va gris encore, le sang nous capture. Pour nous retirer le on a dans même pain ça, nous va mettre les beurre noir. Nous va mettre les échalotes là. Il y a à peu près en demi-tasse parce que le lait sauté comme ça, il va dans toute l'eau qu'il a dedans et puis il va taper les jus normalement. On va ajouter les slimes de dessous. On va découper ça. Et puis, nous allons vider du vin pour qu'il réduit la sauce. Si j'aime bien le son du vin que nous avons, on va attaquer à mettre 20 du vin ça sur la table pour mettre tout. Dans le pain, tout pas qu'il trouve pour mon bon chef, pour mon bon coin. Cheers, Lady G. Dommage, je m'arrête de me vagabond.
Soubat. Parce qu'il est réduit. Donc, là, il finit réduit, Kounia. C'est le ça. On va l'ajouter crème là. Comme c'est un produit laitier que nous ne connaissons pas qualité dans room temperature pour être comme ça, il va gâter tout, même genre avec un peu de sac de la glace. C'est pour raison ça que j'ai pris la frigidaire pour ne pas gâter. Le du vin fait réduire, alors l'échalote là, nous allons ajouter crème. La qui est réduit à un corps, parce que nous avons vraiment besoin du vin là-dedans, nous avons besoin de saveur là-dedans, pour l'évaporer, nous allons ajouter crème. Mais en attendant, parce que normalement, j'en plus facile pour ta faire, c'est le que sauce la fait, pasta ta bouillie, pour quand sauce la fait, pour ajouter pasta. Mais, vous pouvez toujours faire comme ça, mais il faut faire attention pour ne pas coller, parce que le pasta fait bouillie, vous videz comme ça, vous êtes dans le coller. Donc, vous venez vider, il va faire tout un bloc pour la dans sauce là qui n'est pas bon. Donc, normalement, le n'a fait tout, nous allons faire parallèlement, si nous sommes capables de faire. Donc, assurez-nous que ne pas coller. Il y a des gens qui mettent l'huile d'olive là-dedans pendant le consomme, des gens mettent là-dedans tout, mais pour sauce là, quand il y a là-dedans, il n'y a pas rien, elle se passe ça pour faire sauce là glisser sur les. C'est une raison pour ne pas mettre l'huile d'olive là-dedans. Mais il y a des gens qui mettent le quand même. Après, vous tournez, il y a du vin qui est réduit. Nous allons ajouter crème dans la dinde, qui c'est 2 tasses de crème. Parce que nous avons plus de pasta, on a besoin d'un peu de crème pour mettre la dinde. On va quitter le fond. Réduit tout, parce que même j'ai avec du vin pour le cas où petit jean venu, un petit jean épais, parce qu'il n'y a pas trop l'équipement. En attendant, nous allons ajouter pour voir comment assaisonner la dinde. Nous ne pouvons pas assaisonner trop parce que nous allons ajouter des crevisses ça très bientôt qui vient assaisonner la dinde qui va faire gagner plus goût toujours. Nous prenons. Pendant que ma panier réduit, songez que le dit, nous ça sont place fromage et il ne va pas assez. Nous allons râper un peu de fromage qui était là-dedans. Nous supposons qu'il y a un téléspectateur qui nous a demandé quelle qualité de fromage nous a remplacé le fromage. Là. Oui, nous avons dit nous remplacer, mais normalement, la recette de base, c'est avec parmesan qu'elle fait. Donc, c'est ça qui fait que nous vous commandez pour faire le frigo avec parmesan pour le que nous ajoutons le fromage là. Rappelez, peut-être nous avons notre tasse fromage encore un peu plus. Ça, si toutefois, nous avons toujours râpé le fromage en plus, nous avons donné. Il y a la sauce crème à bouillie. Nous allons ajouter le fromage à la dame. Parce que quand nous finissons d'ajouter le fromage à la dame, on va faire ce sang en petit jean, une pie épais. On va prendre pasta, on va mettre là-dedans. On va mettre les crevisses. On a songé les crevisses pas cuites net parce que si on a cuites net, il y a des petits jean qui sont trop cuites et puis il y a trop et overcook qui sont d'une à manger. Il y a l'âme qui a ajouté. On va l'ajouter pasta.
Je vais mettre sur medium high. Nous finissons par passer dans la crème, là, pour y aller, dans la virelle. Pour y aller, nous faire mes foins. Pour les pas trop vite, et puis nous allons ajouter un sriracha que nous découpons bien avant pour nous mettre là-dedans. Nous ne pouvons pas mettre tout, nous allons quitter un petit persil pour nous garnir là. Donc, et voilà, moi mes pasta dans la crème, dans la sauce là, il est fini, nous allons le griller pour nous bailler les DJ comme d'habitude. Goûter pour les dinos comment vous pouvez manger. Voilà. Comment nous trouver pasta maintenant? On va le mettre là pour nous bien manger. Oh là là, chef, ça me saute. C'est... Il sentit bon. Libelle. Chef, ton discours. Amis téléspectateurs, nous connaissons que c'est mon moment favori dans Chili with Regina. Aïe, aïe, aïe. Dis-moi ce que vous pensez. Vous pensez ça, hein? Est-ce que vous songez? Spaghetti. Non. Regardez, moi te dis déjà, ça pas spaghetti. Spaghetti sont des gens plus longs. Ça, c'est fettuccine. Moi, je ne veux pas l'italien pour dire fettuccine. Fettuccine, il va pas spaghetti. Bon, on comprend ça fait les DJ, c'est spaghetti. On connaît nous-mêmes, dans le Caraïbes, là, surtout dans le pays, nous, tout pasta, c'est spaghetti ou bien macaroni. C'est deux pasta que nous connaissons. Mais pendant ce temps, il y a une variété que peut-être. Puis nous avons un choix, nous avons différents types de pasta pour montrer qui est-ce qui fait fettuccine, qui est-ce qui spaghetti, qui est-ce qui macaroni, qui est-ce qui ziti. Il y a toute une variété, mais en réalité, il y a presque même ingrédients différents. Chef Ré, je ne suis pas pour mentir. C'est ça, vous avez coupé. Once again, good job. Téléspectateurs, Chef Ré, ou te dit que gon bagay wap toujours dit téléspectateur parce que saute bombe de fia. Moi même toujours comme ou gétan. Bon ouais, comment pou téléspectateur faire reproduire là sou gétan rentre là-dedans, yo pa wè comment faire. En tout cas, je suppose que n'a pas wè encore. Tant pis, m'a mandé nous pour nous supporter show a, pour nous toujours abonner dans YouTube channel nous, Instagram, pour nous follow nous sur Facebook et tout. Si nous besoin reproduire manger, tant pis, le nous reproduire, faire photo, uploader en bas Facebook, page Facebook donc pour nous. C'est ça que j'ai supporté show, c'est une meilleure façon pour nous montrer que m'a fait un bon travail, que n'a pas prendre de moi, m'a pas prendre de nous tout parce que nous gen wap faire nos gens gen wap plus belle que pas non, j'aime connait parce que tout le monde gen un petit gens que au café et sens artistique gen wap pousser créativité. Donc m'a demandé nous le nous repository pour nous uploader en bas et réseaux sociaux pour nous carré ça nous fait comment travail arriver joindre moi même tout. Bon, ou même, comment tu as mangé là? Je ne sais pas pourquoi tu as mangé. Parce que tu as mangé là, toi déjà. Oui.